pousse en ligne les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 70. Le perroquet amoureux. Sun Zichu, du Guangxi, était un lettré réputé. Mais, né avec un doigt de trop, embarrassé et bredouillant, il prenait pour argent comptant tout ce qu'on s'amusait à lui faire croire. Qu'une chanteuse se trouva de service à un banquet, et l'on pouvait être sûr qu'il prendrait la fuite du plus loin qu'il la verrait. Lorsque des amis, sachant comment il se comporterait, l'entraînaient bon gré mal gré chez les filles et poussaient la courtisane à se montrer entreprenante, il rougissait jusqu'à la racine du cou, tandis que la sueur qui lui perlait au front tombait goutte à goutte. Il était la cible de maintes farces et plaisanteries. On ne se lassait pas de raconter des exemples de sa stupidité, et l'on colportait à son sujet tant d'anecdotes malveillantes qu'il avait reçu le surnom de Sun l'idiot. Parlons de l'un des plus gros marchands de la ville. Il disposait d'une fortune égale à celle d'un prince, et ne songeait à s'allier qu'aux gens les mieux nés. Sa fille, Abao, autrement dit Trésor, était d'une beauté incomparable. Il ne s'écoulait de jours sans qu'on lui proposât d'excellents partis. Les fils des meilleures familles se disputaient l'espérance d'échanger les cadeaux de l'engagement de mariage. Mais aucun n'avait eu l'heure de plaire au père, jusque-là. Comme Sun était veuf, un plaisantin lui suggéra de se mettre sur les rangs en se faisant connaître par l'intermédiaire d'une entremetteuse. Dans sa naïveté, il suivit le conseil. Le père était au courant de sa réputation et, de plus, le trouvait bien trop pauvre. Au moment de ressortir, l'entremetteuse tomba sur Trésor qui l'interrogea. Comme elle lui révélait l'objet de sa visite, la jeune fille crut faire une bonne plaisanterie en répliquant « Je le prendrai s'il se débarrasse de son doigt en surnombre. » La bonne femme rapporta la réponse au jeune homme qui rétorqua « Rien de plus facile. » L'entremetteuse repartit, il prit une hache et se trancha le doigt incriminé. La douleur fut si vive qu'elle lui monta au cœur et le saignement si abondant qu'il en faillit mourir. Quelques jours plus tard, à peine capable de se tenir debout, il passa voir l'entremetteuse pour lui montrer le doigt en moins, un choc pour la vieille qui courut prévenir la jeune fille. Surmontant sa surprise, elle se contenta d'ajouter d'un ton badin qu'il ne lui restait plus qu'à se délester de son idiotie. Quand on lui rapporta cette désobligeante remarque, Sun protesta véhémentement, car il ne s'estimait en rien stupide. Mais il n'avait pas la possibilité d'aller la voir et de le lui prouver. Il se mit à retourner en tous sens l'idée qu'il s'était faite de la fille. Rien non plus ne l'assurait qu'elle était aussi belle qu'on le prétendait. De quel titre, après tout, se réclamait-elle pour se placer si haut? Il en résulta que son premier enthousiasme se refroidit considérablement. Il se trouvait que la fête des morts de pureté et clarté tombait à ce moment-là. Or, ainsi le voulait la coutume, c'était le jour où femmes et filles en profitaient pour sortir se promener, attirant des cohortes de jeunes gens frivoles qui s'accordaient entière licence de les jauger à loisir. Plusieurs collègues de l'association littéraire poussaient Sun à y aller bon gré mal gré. « Tu n'as donc pas envie de reluquer celle dont tu brigues la main ?» railla l'un d'eux. Sun comprenait que ce n'était que moquerie, mais il cherchait l'occasion de voir cette fille qui le ridiculisait. C'est donc volontiers qu'il suivit ses camarades dans leur expédition. Il aperçut au loin une fille qui se reposait sous un arbre, entourée d'une haie serrée de garçons douteux. « C'est sûrement Trésor !» s'exclamèrent ses compagnons. Il hâta le pas. C'était bien elle. Il avait tout loisir de détailler ses avantages. C'était assurément une beauté sans rivale. La foule s'épaississant, elle se leva un moment plus tard et partit brusquement, semant la confusion parmi ses admirateurs.
comme soulevé d'un vent de folie, chacun y allait de son commentaire, que ce fût à propos de la tête ou au sujet des pieds. Seul Sun gardait le silence. Quand la foule se fut portée ailleurs, ses compagnons se retournèrent. Il restait planté là, comme un idiot. Ils l'appelèrent, lui firent signe, pas de réponse. Il leur fallut venir le tirer par les basques. « Ton âme s'en est donc allée se coller à ta bien-aimée trésor ?» La raillerie ne suscitait aucune réplique. Comme il avait toujours eu du mal à s'exprimer, ses collègues ne s'en inquiétaient guère, et ils le ramenèrent chez lui, tantôt le poussant, tantôt le tirant. Aussitôt arrivé, il alla se coucher et ne se leva plus de la journée, abruti comme s'il cuvait son vin, sourd aux cris de ceux qui tentaient de le réveiller. Les membres de sa famille commençaient à se demander s'il n'avait pas réellement perdu son âme. Ils sortirent la rappeler, en vain. Quand on le pressait de questions, Sun répondait qu'il était chez Trésor, mais dès qu'on lui demandait des précisions, il retombait dans le mutisme le plus total. Les gens de la maison, perplexes, se demandaient ce qui avait bien pu lui arriver. En fait, après l'avoir vu, Sun, son esprit, ne pouvait se résoudre à la quitter. Il l'avait suivi, accroché tantôt au col, tantôt à la ceinture, sans que rien ne pût l'en dissuader. Il était ainsi rentré avec elle, et tout contre elle, assise ou couchée. La nuit, il était sur elle, une intimité dont il était fort aise. La faim le tenaillait si fort qu'il serait volontiers revenu chez lui, mais il s'était égaré et ne connaissait plus le chemin de sa maison. Chaque fois qu'elle se voyait en rêve avoir des rapports avec le jeune homme, Trésor lui demandait son nom et il répondait invariablement « Je suis Sun Zichu ». En son fort intérieur, elle en était étrangement troublée, mais comment aurait-elle pu en parler à qui que ce fût? Sun resta ainsi alité 3 jours durant, le souffle si faible qu'il semblait sur le point de s'éteindre à tout moment. La fille, très alarmée, fit savoir qu'elle souhaitait procéder à un rappel de l'âme au domicile de la jeune fille. Le père de Trésor ne fit qu'en rire. « Comment aurait-il laissé son âme dans une maison qu'il n'a jamais fréquentée ?» Il finit cependant par céder à leurs insistantes supplications. La chamane se rendit chez Trésor avec la paillasse et de vieux vêtements de l'amoureux. Quand elle apprit les raisons de cette visite, la jeune fille fut au comble de l'étonnement. Mais il n'était pas question de conduire la sorcière ailleurs que dans sa chambre, où elle eut tout loisir de procéder au rappel avant de s'en retourner. Elle était à la porte de Sun quand il poussa les premiers gémissements du réveil. Il était capable de détailler, sans la moindre erreur, la couleur et la marque des 1001 objets de toilette ou autres qui se trouvaient dans la chambre de la jeune fille. On imagine la stupéfaction de Trésor quand on lui rapporta l'étrange phénomène. Elle ne pouvait se défendre d'être touchée par ces preuves d'une passion si profonde. Lorsqu'il put quitter son lit et s'asseoir, Sun, absorbé dans ses pensées, avait constamment l'air perdu. Il était sans cesse à l'affût de la jeune fille, guettant la moindre chance de la revoir. À la fête de l'aspersion de Bouddha, apprenant qu'elle devait offrir de l'encens au monastère de la Lune des Eaux, il se leva à l'aube pour aller l'attendre au bord de la route, les yeux rongés d'espoir et de lassitude. Le soleil était à son zénith quand la jeune fille se présenta.
de la voiture, elle observait le jeune homme, écartant le rideau de ses doigts fins, sans détourner le regard un seul instant. Plus émue que jamais, Sun la suivit. Elle lui dépêcha une servante pour s'enquérir de son nom qu'il déclina bien volontiers, l'âme plus chavirée que jamais. Sun ne rentra que lorsque la voiture eut disparu et retomba malade. Prostré, il refusait toute nourriture, répétant le nom de Trésor dans son délire, se désolant de ne pouvoir rendre à son esprit la faculté de s'échapper comme naguère. Le perroquet que les Sun élevaient depuis fort longtemps était mort subitement. Les enfants, dans leur jeu, avaient déposé l'oiseau sur le lit du jeune homme. Celui-ci songeait qu'il lui suffirait de quelques coups d'aile pour atteindre la chambre de sa bien-aimée, s'il pouvait animer le corps du volatile. À peine avait-il fixé son esprit sur cette pensée qu'il se sentit perroquet et rejoignit à tire-d'aile la chambre de Trésor, ravi de voir entrer si bel oiseau. Elle l'attrapa, lui passa une chaîne à la patte et le nourrit de graines de chanvre. « Douce sœur, ne m'enchaîne pas, je suis Sun Zichu !» se mit-il à criailler. Alarmé, la jeune fille le détacha sans qu'il s'envolât pour autant. « Le profond amour qui t'anime a gravé le même sentiment dans mon cœur. Mais comment pourrions-nous maintenant établir cette union prédestinée alors que l'homme et l'oiseau appartiennent à des espèces différentes ?» lui dit-elle, profondément inquiète, sur le ton de la vocation. Être au bord de l'étang parfumé de ta présence suffit à combler mes vœux, répliqua le perroquet. L'oiseau refusait d'être nourri par quiconque, sauf par Trésor. Dès qu'elle s'asseyait, il se blottissait sur ses genoux. Si elle se couchait, il se posait sur le lit. Il en fut ainsi 3 jours durant. Elle en était fort apitoyée et fit prendre des nouvelles du jeune homme. Il était resté étendu, raide, le souffle coupé depuis 3 jours, mais un reste de chaleur persistait dans la région du cœur. Cette fois, elle formula le vœu solennel. « Je fais serment de te suivre jusqu'à la mort si tu reprends forme humaine. »« Vous vous moquez !» répliqua le perroquet. Comme la jeune fille l'assurait du sérieux de l'engagement, l'oiseau ploya la tête pensivement. Un moment plus tard, alors que Trésor avait ôté ses chaussons pour resserrer les bandelettes de ses petits pieds courbes, le perroquet fonça vers le bas du lit, saisit l'un des chaussons dans son bec et s'envola. Il était déjà loin quand elle se précipita pour le rappeler. Au moment où la vieille servante dépêchée par Trésor arrivait pour prendre de ses nouvelles, Sun avait repris connaissance. La famille, stupéfaite, avait vu le perroquet entrer, un chausson brodé au bec, et tomber mort. Sun s'était emparé du chausson, aussitôt revenu à la vie. Comment ? On y comprenait goutte. C'était dans ces circonstances que la vieille servante s'était présentée. Elle passa voir le jeune homme et lui demanda où se trouvait le chausson. Il lui répondit « C'est le gage que Trésor m'a confié. Veuillez lui rappeler de ma part que je n'oublie pas son serment qui m'est si précieux. » La vieille repartit s'acquitter de la mission. Plus émerveillée que jamais, la jeune fille poussa les servantes à ébruiter l'étrange suite d'événements auprès de sa mère. Celle-ci déclara « Certes, c'est un garçon de talent qui n'a pas mauvaise réputation. Mais il est plus pauvre que ne le fut Sima Xiangzhu. Apprendre pareil gendre, après tant d'années d'hésitation, nous serons, je le crains, la risée des plus illustres parmi nos relations. » Invoquant le serment du chausson, la jeune fille jura qu'elle n'en épouserait jamais un autre. Les parents s'inclinèrent. On partit au galop l'annoncer à Sun, qui s'en réjouit et fut guéri dans l'instant. Comme le père proposait de faire entrer le gendre dans sa maison, sa fille objecta. Un gendre ne doit pas prolonger indûment son séjour chez son beau-père. Il en serait d'autant plus méprisé qu'il est pauvre. Puisque je lui ai donné mon consentement, c'est volontiers que j'habiterai une chaumière et c'est sans regret que je me nourrirai de feuilles glanées.
Le mariage célébré, ce fut donc chez lui que Sun l'accueillit. Ils se retrouvèrent avec la joie d'amants séparés par la vie. La dot leur apporta une certaine aisance et augmenta sensiblement leur patrimoine. Il est vrai que Sun, passionné de livres, n'entendait rien à la gestion de ses biens et à la direction de ses gens. Mais la femme était experte en économie et le déchargeait de tous ses problèmes. En 3 ans, leur fortune ne fit que croître. C'est alors que Sun fut emporté par une crise soudaine de diabète. Trésor le pleura si désespérément que les larmes ne quittaient plus ses yeux. Elle refusait de s'alimenter et ne trouvait plus le sommeil, sourde aux objurations des uns ou des autres. Profitant de la nuit, elle se pendit, mais, découverte par une servante, elle put être sauvée in extremis et ranimée. Elle n'en continuait pas moins à repousser toute nourriture. 3 jours plus tard, les amis et la famille étaient réunis pour les funérailles, quand on entendit des gémissements et des soupirs venant du cercueil. On l'ouvrit, Sun était revenu à la vie. Il s'expliqua spontanément. « J'ai été reçu par le roi des enfers qui m'avait nommé à de hautes fonctions dans un ministère. En considération de ma simplicité et de mon honnêteté, lorsqu'on est venu tout à coup annoncer l'arrivée de ma femme. » Après avoir consulté le registre des fantômes, le roi s'est exclamé « Mais celle-là ne devrait pas mourir maintenant. Voilà 3 jours qu'elle ne mange plus. » Le roi s'est tourné vers moi. « Touché par la noblesse de ta femme, nous t'accordons un laps de vie supplémentaire. » C'est ainsi qu'il m'a fait raccompagner à cheval jusqu'ici. Il se remit peu à peu de sa crise de diabète. C'était l'année des concours triennaux. Avant le commencement des épreuves, ses camarades imaginèrent de lui faire une farce. Après s'être concertés pour fabriquer 7 sujets particulièrement abstrus, ils l'attirèrent dans un coin tranquille et lui murmurèrent « Chut, hautement confidentiel, on les a obtenus grâce aux relations occultes d'un tel. » Sun mordit naïvement à l'hameçon et travailla nuit et jour à préparer et polir les 7 sujets jusqu'à leur rédaction définitive, tandis que ses collègues se gaussaient de lui dans son dos. Or, l'examinateur en chef du moment reprochait au thème habituel de labourer toujours dans les mêmes ornières. Hostile par ailleurs au sujet conventionnel, il en proposa 7 qui correspondaient en tout point au choix du canular. C'est ainsi que Sun fut classé en tête. L'année suivante, il obtenait le grade de docteur et entrait comme jeune archiviste à l'Académie impériale. L'empereur en personne entendit parler de ce cas étrange et le fit convoquer. Sun lui présenta verbalement à ce sujet un rapport complet qui remplit d'aise Sa Majesté. Elle reçut ultérieurement en audience trésor et la combla de cadeaux. Le chroniqueur de l'étrange. L'idiot est l'homme d'une passion qui concentre toute sa volonté. C'est pourquoi la passion des livres apporte un style travaillé, la passion de l'art un style achevé. Ceux qui gâchent leur vie en n'accomplissant rien ne se disent jamais idiots. À plus forte raison, ceux qui ruinent leur famille en courant les filles et en s'abandonnant au jeu, des activités d'idiots véritables. Car, sachez-le, les vrais idiots sont des malins qui abusent de leur intelligence. Notre Sun n'avait rien d'un idiot.